Alors là, j'ai bien remis le boîtier de vanne EGR, donc la vanne EGR, le boîtier, donc fixé avec deux écrous comme je vous l'avais dit. Et par contre, j'ai eu un peu de mal à remettre en dessous le mince, le clips, enfin le collier avec agrafe, ça s'appelle un collier agrafe. C'est très chiant à remettre, très chiant à enlever et très chiant à remettre. Donc j'ai quand même réussi. Bon, à part ça, c'est le seul problème que j'ai eu. J'ai passé beaucoup de temps à remettre ce collier-là. Bon, et après, bah, j'ai plus qu'à remettre le tuyau du retour EGR, et puis à brancher tout ce qui est autour, tout ce qui est remettre la durite aussi, la durite qui va ici là, sur ce tube-là, qui va du boîtier EGR jusqu'au turbo. On le voit, je sais pas si on le voit là, on le voit là. Donc c'est une durite qui est branchée, ça fait un peu en S, et c'est branché sur le turbo et sur le boîtier. Donc et ça c'est pour le filtre à air. Donc voilà, il n'y a plus que ça à remonter, et puis bah ça je pense que je verrai demain. Voilà, à plus.